En Méditerranée, près de 90 migrants ont été secourus après un nouveau naufrage, mais il y aurait entre 20 et 30 morts selon les estimations de la force navale de l'Union européenne. L'embarcation a chaviré au large des côtes libyennes. C'est un avion qui a donné l'alerte. De nombreux migrants ont profité des bonnes conditions météo cette semaine pour tenter la traversée jusqu'à l'Italie. Depuis lundi, les gardes-côtes ont secouru plus de 7000 personnes, dont des centaines, qui se trouvaient à bord de ce vieux chalutier en bois. La marine italienne a pris ces photos où l'on voit ce navire bondé en train de chavirer. Des gilets et des canots de sauvetage ont été jetés à l'eau, ce qui a permis de sauver la plupart des passagers. Mais 5 personnes se sont noyées.